toujours quand Darko se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Regardez un peu cette image et on se prend juste après. Ok. C'est une histoire de quoi? Actionnez mon avion pour balancer ces équinoxes. C'est une histoire de quoi? J'ai laissé mon bébé, il était bien content. C'est un point de douleur. C'est un point de douleur. Il faut actionner la vidéo. La personne, qui te touche, tu me dis. Je suis capable. Actionne-moi la vidéo. Tu veux qu'on casse la porte là maintenant. J'ai très mal. J'ai très mal. J'ai très mal. La dame que vous voyez là, c'est une femme étonne, selon ce qu'elle dit dans sa vidéo. Elle explique donc qu'elle était dans un hôpital de la place. Son enfant était bien portant. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé pour que l'enfant, subitement, quitte son monde. Et quand on regarde les images, l'enfant a les séquelles, a les traits, bon, je ne sais pas ce que ça signifie. J'ai tellement mal parce que j'essaie un peu de penser que si c'était mon enfant ou mon petit frère, ça veut dire que... Vous avez fait aux étoiles, vous faites souvent. C'est une histoire de quoi? Faites l'examen, on sort les agents, faites l'examen. Pourquoi on éjecte l'enfant? Il faut négocier. Il faut les voir, pourquoi on éjecte l'enfant aussi? On a tout le matériel, on achète les médicaments. Elles sont là, elles montent, elles descendent. Moi, je ne sais même pas. Les mots me manquent même. Donc, on n'a même pas encore oublié l'affaire de Vanessa. Que hier, ça chauffait avec Aurélie Belle. Que hier, ça brûlait. On a encore ça dans l'esprit. Mais la dame s'y vient encore aussi. Elle se plaint de la maltraitance. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'hôpital. L'enfant qui se portait pourtant bien selon ce qu'elle dit. La vidéo est devenue virale comme ça. Est-ce que vous-même vous trouvez que c'est normal que chaque jour on parle mal de nos hôpitaux? Est-ce que c'est normal que chaque jour il y a toujours des images où c'est... On a même déjà peur. Moi-même, j'ai même déjà peur que si je tombe malade maintenant, si je vais même aller me coucher ou alors pour me soigner, je vais aller me coucher alors où? Parce que quand on voit les images comme ça, ça fait peur. Ça fait peur. Chaque jour. Et 9 mois de souffrance. Comme elle dit, 9 mois. Vous ne pouvez pas imaginer, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait dans le cœur. S'il vous plaît, nous attendons les enquêtes. Nous attendons les enquêtes pour savoir vraiment, vraiment le fond, ce qui s'est passé. Hey! J'espère que vous avez vu les images là, parce que c'est partout sur les réseaux. Moi, je ne peux pas vous présenter jusqu'à montrer le corps, vos mains. Je suis désolé, je ne peux pas. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. En tant que parent, quand tu vois ça, c'est trop fort, ça fait mal, c'est trop fort. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus entendre les choses comme ça. Pardon, faites des efforts. Les hôpitaux là, s'il vous plaît, changez votre manière de faire. Vraiment, changez votre rythme. Changez, pardon, prenez-nous aussi comme des humains. Nous ne sommes pas des animaux, pardon seulement. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.